Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Tessie Anthony. Donc Tessie Anthony, c'est l'ex-princesse du Luxembourg qui était mariée auparavant avec le prince Louis de Luxembourg et qui est maintenant divorcée. Donc il y a une très très bonne nouvelle pour l'ancienne princesse qui a repris son nom de jeune fille parce qu'elle est enceinte, elle attend un troisième enfant. C'est la nouvelle qu'elle a annoncée sur son compte Instagram le 24 février et elle a annoncé la nouvelle en partageant une adorable photo. Donc on voit Tessie Anthony de Nassau et Franck Chaussel, son nouveau petit ami, enlacés, touchant le baby bump, c'est-à-dire le ventre de la future maman. Le couple regarde au loin. On voit le couple très heureux. C'est une très bonne nouvelle pour Tessie. Tessie qui a réussi à refaire sa vie après le divorce soudain d'avec lui et aussi la petite bataille, on va dire, pour la pension alimentaire et les pensions des enfants. Ça me fait vraiment plaisir pour elle parce que je trouve que c'est une ancienne princesse moderne, une femme qui rappelle tout le temps son indépendance et qui ne veut de mal à personne, qui est toujours, toujours gay et heureuse pour les autres. Elle poste beaucoup sur son compte Instagram, elle met en avant les œuvres de charité qui l'intéressent et qu'elle parraine. C'est quelqu'un qui est toujours très positif, qui garde la tête haute malgré les insultes. Je parle bien sûr des insultes et attaques de personnes dans l'entourage qui l'ont traité de tous les noms après le divorce, qui l'a traité d'arriviste, d'intéressée, de grappilleuse. Elle a gardé la tête haute, elle a montré en fait qu'elle est une personne tout à fait normale, une femme divorcée mais heureuse avec ses enfants, qui refait sa vie loin des palaces, mais dans un environnement qu'elle gère mieux et qui est le sien. Elle a toujours maintenu sur son compte Instagram avoir toujours beaucoup d'amour pour son ex-mari, lui, qui, rappelons-le, est le père de ses deux enfants, et un ex-mari qui, depuis, a refait sa vie. En tout cas, on souhaitait féliciter Tessie Anthony pour sa future maternité, et sincèrement, elle le mérite. Ce bonheur est de mérite. Il y a certains qui, à l'annonce de cela, l'ont jugé en disant qu'elle n'aurait pas dû avoir un autre enfant avec un autre homme, qu'elle aurait dû n'avoir que ces deux enfants-là, ce que je trouve assez insultant et injurieux pour toutes les femmes d'ailleurs hein, qui ont refait leur vie après des mariages. Elle va pas rester l'éternelle princesse ex-femme de Louis de Luxembourg. Je parie que quand lui aura un enfant avec sa nouvelle compagne, ces mêmes personnes ne trouveront rien à dire. En tout cas, félicitations Tessie, vous méritez ce bonheur, vous êtes une femme gentille, vous ne voulez de mal à personne, vous êtes toujours très positive quant à votre vie et quant à la vie d'autres personnes. Vous parlez sur votre compte Instagram de façon positive. J'encourage tout le monde en fait à la féliciter et aussi à lui souhaiter le meilleur qui puisse être pour une future maman. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.